The following contest is scheduled for one fall and accompanied by Becky Lynch from France, weighing in at 179 pounds, Ken Tucker. Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 84 de ma carrière sur WWE 2K17 avec une question qui va peut-être avoir une réponse, peut-être dans cet épisode, mais non, finalement pas dans cet épisode, mais dans quelques épisodes. Vais-je avoir un match pour le titre de champion du monde à Extreme Rules pour affronter donc Brock Lesnar, le champion actuel? Bon, en tout cas, la rivalité a été démarrée. Va-t-elle tenir jusqu'au prochain pay-per-view? On le verra. Mais en attendant, j'ai quand même bien envie d'asticoter le champion en titre. Mais avant, je dois affronter ce champion-là. Juste avant de commencer le match, une petite parenthèse concernant l'animation de mon entrée ou les animations de mon entrée. Donc dans l'ordre, arrivé sur scène, c'est Tyson Kidd. Marche sur la rampe, c'est Dean Ambrose. Et pour tout le reste, pour tout ce qui suit, arrivé sur le ring plus animation sur le ring, c'est Kevin Owens 2. Puisqu'il y a deux types d'animation pour Kevin Owens. Et pour ce qui est de l'intro juste avant l'entrée sur scène, je ne sais plus ce que c'est comme animation, mais c'est une animation, bref, qui est assez longue. Enfin, assez longue par rapport à d'autres. Donc John Cena, champion intercontinental, est mon adversaire ce soir à SmackDown. Nous sommes à un peu plus de deux semaines du prochain pay-per-view Extreme Rules. Lors du dernier épisode, nous avons donc effectué quelques matchs après WrestleMania, après mon immense victoire à WrestleMania, et j'ai donc bien entendu entamé une rivalité avec Brock Lesnar. Histoire de voir si ça va tenir, histoire de voir si je peux avoir un match pour le titre. On verra bien, hein. J'ai même vu des commentaires qui m'indiquaient que peut-être que la rivalité va aller jusqu'à Extreme Rules, mais que ça va peut-être donner seulement un match par équipe. Je dis seulement parce que ça me fait plaisir d'avoir des matchs avec AJ Styles, mais c'est pas ce que j'espère ultimement, quoi. Ce que j'espère, c'est vraiment un match pour le titre solo, pour le titre mondial, le titre suprême. Et après, si je décroche le titre suprême, non, quand je l'aurai, parce qu'un jour je l'aurai, à force de persévérer, je l'aurai, nous lancerons la poursuite, oups là, du titre par équipe. Et avec AJ, je pense que ça va aller assez vite et on va dézinguer toutes les équipes qui se trouveront sur notre chemin. Donc nous y sommes. Raker, Cena, et Cena est déjà sur la troisième corde, mais c'est pas de son plein gré. Il est là car telle est ma volonté et voici l'Avalanche Falcon Arrow. On inflige de gros dégâts à John Cena. Allez, DDT provoque sur John Cena pour un bonus de dégâts qui sera précieux. Et le problème, c'est que vu qu'il a l'avantage au niveau des contres, il va peut-être en profiter. Non, c'est bon. La German Suplex est passée. Ça te rappelle des souvenirs, John, non? SummerSlam 2013, peut-être. Non, pas 2013, 2014, je dirais. Oh là là, il s'est pris plein de coups dans la figure. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Allez, roundhouse kick. Oh là, Cena qui est complètement à la ramasse pour l'instant. J'ai pu attaquer comme je le voulais. Encore un coup d'avant-bras. Ouh, mais attendez. Est-ce que John Cena serait un petit peu à la ramasse dans ce match? Non, John Cena contre. Il s'est ressaisi. Et voici donc. Oh mince. Ouh, ce facebuster assez étrange. Non, là, je voulais pas forcément contrer, mais dans le doute, c'était quand même mieux. Non, Becky. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu as parlé avec Alexa avant le match?
parce que j'ai déjà vu cette stratégie à l'œuvre. Et qui ? Bon, au moins, mes manageuses se mettent sur la même longueur d'onde, mais j'aurais préféré battre John Cena à la loyale. Mais qui ? Bon, merci quand même, mais... Bon, j'avoue que je suis pas spécialement content. Once the opening bell rings, he's about as aggressive as they come. Few can argue that. Definitely looking confident in this one-on-one environment. That's wow, wait a minute. What's he coming out? Et comme promis, enfin je l'avais pas promis, mais comme j'avais pu le sous-entendre, me voici en plein milieu du match de Brock Lesnar. Et comme l'autorité veut que j'intervienne en plein milieu d'un match et que je prenne un objet extérieur pour m'en servir, eh bien l'opportunité, le moment surtout, m'a l'air plutôt bien choisi pour le faire. Et la cible également est un très bon choix. Et vas-y Rousseff, mets-le à terre ou peu importe. Oula, corde à linge de Brock Lesnar qui ne fait même pas chuter Rousseff. C'est la preuve que l'animal est faible. L'animal, la bête, pardon. Voilà. Donc je suis expulsé et c'est pas une disqualification. Il n'y a pas une... Non, le match continue. Ok, donc John Cena, sans le faire exprès, tape le bras de Becky Lynch. Disqualifié. Moi, je colle un grand coup de chaise en travers de la face d'un des participants à un match. Et le match continue. D'accord. Bon. J'ai pas besoin d'en voir plus. On se casse. Merci d'accueillir mon invité de ce soir. Il paraît que les autres superstars ne vous respectent pas. Que pensez-vous de cela ? C'est faux. Il y a plein de superstars qui me respectent, j'en suis sûr. Le respect, ça se gagne, ça ne se donne pas. J'ai effectué de nombreux matchs. Mais si je n'ai toujours pas obtenu le respect des autres, ça veut dire que je dois encore travailler. Je n'abandonnerai pas tant que tous les autres ne penseront pas que j'ai ma place ici. Vous pouvez compter là-dessus. À chaque fois, je me fais voir par le petit mot perdu sur une ligne. Parce que j'oublie d'aller lire la suite en avance. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tout va bien. Merci de m'avoir accordé un moment. À vous. Well, waiting here to get this match started. Oh, look at this. What in the world? Who the? Oh my gosh. Why the hell did he do that? Well, they're trying to screw him over before this match even gets started. Get out of here, he's telling him. He'll handle this. Referee just seeing if he's going to be all right and able to continue. What do you think? Go. He's going. There's the bell. The ref better get this. Ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que j'ai obtenu l'attention, de Brock Lesnar, et ça veut dire également que la rivalité est une vraie rivalité. C'est pas le truc qui va se finir au bout d'un match où l'adversaire aura les contres illimités comme on a parfois lorsqu'on n'est pas assez légitime pour affronter un champion pour son titre. Donc là, c'est bon. Alexa, t'es gentille, je t'adore, tu le sais très bien. Mais bon, après ce qui s'est passé tout à l'heure avec John Cena, enfin l'autre soir, je veux dire, on va essayer de gagner à la régulière pour montrer à Brock Lesnar que je vais pas me laisser faire et que je suis capable de battre n'importe qui, même après avoir été attaqué par la bête en personne. Et en même temps, je l'ai un petit peu mérité parce que bon, je l'ai attaqué à SmackDown. Alexa, t'es mignonne. Bon, non, je laisse, c'est très bien. C'est très bien, après tout, ça rééquilibre un tout petit peu les chances parce que, bon, que je me fasse attaquer, ok, mais que ça profite à Seth Rollins, bon, il a rien fait pour, quoi. Ouh, Half Nelson Backbreaker, sympathique. Allez, cette fois-ci, on aura un vrai match. Ouh, Phoenix Splash. Sympa. Allez, on se dégage encore une fois. Rollins est sûr de lui. Je ne balance pas tout de suite la revanche. À mon avis, c'est un petit peu tôt pour ça. Quoique, ce serait utile. Ça me permettrait tout de suite de tenter de placer un coup spécial. Et après, rien ne m'empêcherait de faire des provoques pour avoir un bonus de momentum.
Ah, ça se médite, mais vu que lui a l'avantage, vu que Seth Rollins est bien concentré sur moi, je préfère pas le faire, parce que si je me relève et que tout de suite il est sur moi, c'est pas bon. Alors que là, vu qu'il s'est éclipsé, c'est bon. Hop là, la belly to belly depuis la troisième corde, et ça va être bon pour placer l'enchaînement. Parfait. Là pour le coup, c'est bien joué de ma part. Pour une fois. Hop là, oh, ce coup de pied dans la face. Oh, oh. Allez, là il faut faire des dégâts. Alors je vais pas la provoquer pour qu'il se relève dans le coin, parce que parfois ça bug. Le Destiny, ouh, bien joué ça. Et le dropkick a été esquivé. On se rend coup pour coup. Attention Rollins, qui aurait pu balancer le curb stomp. Oh non, oh non. Michinoku Driver. Non, là je me dégage le plus vite possible. Ouais, bon, j'ai laissé 1. J'ai laissé le compte de 1 se faire. Oups là. Non, non. Ouh, j'ai peur. J'avoue que j'ai peur. Ah, ça y est, là il va le balancer. Là il veut placer le curb stomp. Et non, mon pote. Explorer suplex. Olé, bien. Ouh, la corde à linge pour contrer son facebuster. Je le maintiens au sol. Descente du coude. C'est parfait. Là, là pour le coup, on n'est pas trop mal. Et il va peut-être se prendre le Destiny. Ouais, c'est bon, ça passe. Ça passe sans trop de problèmes. Et 1. Et 2. Et dégagement de Seth Rollins. Ah là là, je pense qu'il faut mettre le paquet. Et quand je dis ça, je pense à le projeter dans le coin, pour commencer. Le retourner. Faire ce qu'on appelle pour Roman Reigns le drive-by. Et enfin, ouais, on va le rapprocher un petit peu quand même. Voilà, parfait. Il roule un petit peu, il se repositionne. Il est pas trop loin. Allez, ah dommage, il s'est relevé. Saut chassé, voilà, avec Rollins qui tombe et moi qui reste un petit peu au sol. Ouais, je vais pas pouvoir placer le Phoenix Splash tout de suite, je pense. Il faut que je place au moins une autre prise, histoire de le placer un petit peu. Ouais, sauf que bien sûr, il va pouvoir se défendre. C'est le risque, bien entendu. Alors après, est-ce que le Survival Instinct pourrait me servir? Ou pas. Mais non, mais pourquoi le Code Breaker ne veut pas se déclencher? C'est dommage. Voilà, bim. Je l'attrape. Il contre. Oh mince, oh non. J'ai eu de la chance. Voilà, oh c'est pas mal ça. Oh, le saut chassé qui place Seth Rollins à une distance raisonnable. Et Seth Rollins qui roule pour être à une distance non raisonnable pour le Phoenix Splash. S'il avait roulé encore une fois, j'aurais été très en colère. Phoenix Splash, ça passe. Match 5 étoiles, l'objectif est rempli parce que l'autorité voulait que je gagne. Non, pardon, que je dispute un match avec au moins 3 étoiles. Donc c'est chose faite. Et on l'a vu, Seth Rollins s'est dégagé. Donc, bah écoutez, hein, on va en mettre une couche, hein, c'est peut-être un petit peu répétitif. Mais quand on me résiste, il faut bien que je revienne à la charge. Donc on va essayer de faire la totale. Allez, on va gagner des points supplémentaires. Enfin, c'est plus des points pour le match en lui-même, mais après ça va pas me faire gagner plus de crédit ni de popularité vu que le score maximal pour les matchs a déjà été atteint. Ouh, et la clé de bras me permet de battre Seth Rollins. Je m'y attendais pas forcément. J'étais prêt à balancer un autre finisher derrière, mais si ça fait le boulot, c'est très bien. Et ceci malgré l'attaque de Brock Lesnar sur moi avant le match. Ça commence à sentir bon, donc
Je le rappelle, il y a cette hypothèse ou cette possibilité que j'ai un match par équipe à Extreme Rules, mais pour l'instant, ça sent bon. Déjà, à Extreme Rules, j'aurai un match contre Brock Lesnar. Ça, c'est une certitude. Après, est-ce que ce sera un match en simple ou un match par équipe ? Là, par contre, rien n'est sûr. Et ce sera peut-être pas pour le titre, du coup, hein, vu que ce sera, vu qu'il y a une possibilité que ce soit un match par équipe. Mais en tout cas, je pars avec un gros avantage dans cette rivalité. Un sacré gros avantage, hein, parce que 38 points, quand même, c'est vraiment pas mal. Et voilà, en plus, l'autorité est contente. Il est temps de se retrouver en face à face dans un match d'égal à égal. Ou presque, vu que lui est champion. Donc c'est pas vraiment mon égal, vu que moi je ne suis champion de rien du tout. Mais quand même, là, il n'y aura pas de coup fourré. Il n'y a pas d'attaque préventive. Il n'y a rien. En tout cas pour ce soir. Donc j'écourte un petit peu son entrée parce qu'on la connaît et puis parce que j'ai envie de me battre. Et je pense que lui aussi. Alors est-ce qu'il a les contres illimitées ? Oui. Bah donc mauvaise nouvelle, apparemment j'aurai pas de match contre lui. Ah, non, 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 tu te calmes. Oh purée, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais même pas ce que j'ai fait, c'était bizarre. Oh, c'était beau ça ! Oh, je n'ai jamais utilisé cette prise là, bah je viens de la découvrir. Tout simplement. Allez vite, il est encore dans le coin. Shiranui ou Seth Walker ou je ne sais même plus comment ça s'appelle pour The Brian Kendrick. Sliced Bread 2 peut-être. Enfin ça me fait bizarre parce que Sliced Bread c'est pain de mie, non? Enfin c'est le pain en tranche littéralement. Bon bref. Donc ça c'est mauvais signe hein, que le fait que Brock Lesnar ait les contres illimités. Ça veut peut-être dire que finalement la rivalité va se terminer après ce match et que après ce sera tout. Aïe aïe aïe. Donc dans le même épisode, on a de l'espoir, puis après on en a plus. Bon bah écoutez, on va bien voir ce que ça va donner. Donc déjà ça va être un match assez difficile vu que Brock Lesnar va pouvoir contrer à peu près quand il veut. Alors bien sûr après c'est une histoire de timing, il va falloir qu'il soit bon pour contrer. Donc pour l'instant je m'en sors pas trop mal. Hop là, le contre. Je remonte sur le ring. Tu ferais mieux de le faire aussi, toi. Parfait. Voilà, il faut attaquer, il faut être le premier à attaquer. Roundhouse kick. C'est parfait. Oh, dommage. Oh, c'était parfait. Allez, j'ai réussi à passer derrière, c'est parfait. German suplex non contré. Hey, je me débrouille vraiment pas mal. Descente du coude. Si je pouvais attaquer un petit peu la tête, ce serait pas mal. Franchement, je m'en sors très très bien. Parce que pour l'instant, il n'a pas beaucoup contré. Et la seule raison pour laquelle il a un momentum aussi élevé, c'est parce qu'il a contré. Il a contré une attaque, hein, tout simplement. Mais, non, il a contré un coup spécial, surtout, oui. J'étais pas sûr, mais finalement, oui, ça vient d'arriver il y a quelques secondes. Donc, il a effectivement contré un coup spécial. Et il s'est pris un DDT. Ça sent quand même pas très bon hein, pour Brock. Serait-ce possible? Vais-je pouvoir le faire? En tout cas, le Destiny est arrivé dans le visage de Brock Lesnar. Et logiquement, il se dégage. C'est pas une surprise. Mais quand même, il a... Comme on dit dans le métier, il a pris cher. Il n'y a pas que dans le métier qu'on dit ça, mais bon, vous avez compris, quoi. Alors, attention. Non, ça, par contre, ce genre de contre, ça va être hyper important. Eh ben non, il n'y a pas de suplex city. Hey, hey. Hop. Moonsault.
On enchaîne. Twisted Bliss. Parfait. Mais oula, 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 oh ouais, l'animation est bizarre. Il y a des animations qui sont vraiment très très bizarres. Mince. Aïe, j'ai raté le contre. Aïe, aïe, aïe. Ça par contre, ça sent mauvais. Parce qu'il va avoir un finisher. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, il va tenter le F5, mais quoi qu'il arrive, je ne perdrai pas. Non, c'est bon, j'ai évité le F5. Bon, ça va, plus de peur que de mal pour l'instant. Mais il est vrai que c'était un peu chaud. Allez, je tente de tomber, peut-être dans l'espoir de le voir utiliser sa révolte. Bon, ok, très bien. Allez, Neckbreaker, très bizarre. On va tenter un petit kill switch avec un tombé enchaîné. C'est contré. Et la souplesse. Bon, là, je vais laisser mon deuxième contre se recharger, ça pourra m'être utile. Il va certes tenter un tombé, mais ce sera, quoi qu'il en soit, 20. Voilà, parfait. Dégagement rapide, histoire de lui saper le moral. Il me retourne. Il me piétine, naturellement. Il me fracasse le crâne, avec des coups de coude, naturellement. Ah mince, ça par contre, j'ai pas réussi à l'éviter. Bon, ça va, c'est pas un drame. Ah bon ? Ah, je sais pas où est-ce que j'avais le pied sur la corde, mais ou sous la corde. Mais bon. Je prends. Bon, là, je suis un petit peu obligé de subir, hein, c'est vrai. Ah, c'est parfait, mon troisième contre est rechargé. Il a un coup spécial, ça veut donc dire qu'il va devoir le placer et que moi, je vais pouvoir faire gonfler mon momentum. German suplex. Et c'est lui qui était la suplex city. Est-ce que je peux? Si je pouvais. J'ai pas pu. Oh, la surprise. L'instinct de survie, mon pote. L'instinct de survie. Bim. Alors, je le sais, ce finisher ne fait pas l'unanimité, mais pour l'instant, je le garde. Et Brock Lesnar, le premier à se dégager de l'instinct de survie. En même temps, c'est que le troisième homme a s'être pris la prise. Et en plus, c'est la bête. Allez, Phoenix Splash. Avec tout ce que tu t'es pris dans la face, mon gars. Si t'arrives à t'en sortir encore une fois, t'es très fort. Il est très fort, quoi qu'il arrive. Mais pas assez pour résister à un instinct de survie et un Phoenix Splash. Et cet homme, mes amis, avait les contres illimités. Et ce match, et comme tous les autres, hein, toute ma carrière, je le joue au niveau légendaire. Parce que de temps en temps, je vois quand même des gens qui me disent « Mais passe en légendaire !» Oui, c'est déjà fait depuis avant le début de la série. Enfin, depuis le début de la série, je pense, parce que j'ai dû lancer le mode lors du premier épisode. Donc oui, techniquement, ça a été fait dès le premier épisode. Enfin bon. Et voilà, rivalité. J'ai gagné la rivalité en plus. Tiens, cette fois-ci, c'est bien fait parce que j'avais déjà affronté Brock Lesnar dans cette série, avec lui qui avait les finishers illimités, et malgré ma victoire dans le match, parce que je l'avais battu là aussi, forcément, c'était lui qui était déclaré comme vainqueur de la rivalité. Mais là, pour le coup, c'est moi qui ai gagné. Mais alors, est-ce que cette victoire va avoir une importance quelconque? Est-ce que elle va me faire gagner des places dans le classement? En tout cas, l'autorité est contente car j'ai gagné le match avec la santé de mes jambes dans le verre. Bon, c'est parfait, moi ça me va, tout me va, enfin sauf le fait que j'aurai probablement pas de match de titre en fait, donc en fait non, tout ne me va pas. Mais on ne peut pas dire que, enfin il n'y a pas tout qui me va, on ne peut pas dire que tout n'est pas bien, c'est juste qu'il y a des choses bien et des choses pas bien, donc la rivalité est certes terminée, et ok c'est tout, la rivalité est terminée, point. Pas de place dans le classement en plus, rien. Même pas les félicitations de Triple H ou de Paul Heyman. Non, Triple H, ce qu'il a vu, c'est bravo, t'as réussi l'objectif. C'est cool. Remporter un match sans atteindre au niveau 3 de l'endurance. C'était vraiment...
T'es vraiment pas incroyable, toi, hein. Franchement, c'est... Bon, les ventes de t-shirts, ça va bien. L'enthousiasme est bien. La popularité est pas mal aussi. C'est vrai que mine de rien, la popularité augmente. Mais j'ai un doute. C'est vrai que je me suis posé la question, petite parenthèse rapidement pour terminer l'épisode. Je me suis demandé, est-ce qu'on a accès... Comment dire, est-ce qu'on ne peut avoir accès à des matchs de titre qu'à partir d'un certain niveau de popularité? C'est une question que je me suis posée et que je me pose depuis un certain temps maintenant. Et peut-être qu'il faut atteindre une certaine popularité qu'on peut éventuellement atteindre assez vite en gagnant d'autres titres. Parce que du coup, c'est vrai que ça fait un moment que j'y ai réfléchi, je me suis dit un jour, mais tiens, est-ce que j'aurais pas pris le chemin le plus long pour devenir champion du monde en fin de compte? Est-ce que finalement le chemin le qui semblait plus évident pour atteindre un titre n'était pas le plus direct à méditer? Donc quoi qu'il en soit, je vous salue, on se retrouve bientôt pour l'épisode 85 de ma carrière sur WWE 2K17. Salut tout le monde, à la prochaine.